Coucou à tous. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre, c'est un haul action, un petit haul de 24,96 € et j'ai trouvé des petites pépites, des choses, surtout un produit. Premier, je crois que c'est nouveau, donc on va voir ça tout de suite. Alors, je vous donne les prix au fur et à mesure. Donc, j'ai pris un sachet d'oignons comme ça, qui sont frits. Alors ça, j'adore mettre ça dans des salades vertes, dans des hamburgers, des choses comme ça. Donc ça, ça coûtait 1,49 € et vous avez 275 grammes. Donc voilà. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai pris une petite tirelire comme ça, Spider-Man. Donc j'espère que vous voyez bien, parce qu'avec la lumière... Voilà, c'est mitigé cochon d'Inde, comme je dirais. Donc, c'est une petite tirelire en métal, comme ça. Donc, vous avez plusieurs sortes. Hein. Moi, j'ai pris Spider-Man parce que ben, c'est pour mon petit loulou. Et franchement, c'était pas cher. Ensuite, j'ai pris... Alors, ça, c'est ça le produit en question. C'est un hydratant Boost Pastèque à 1,99 €. Donc, ils disent que ça hydrate. Qu'est-ce qu'ils disent de beau dessus? Crème hydratante. Appliquer la crème... attendez... en français, ça me plairait bien d'avoir ça en français. Pastèque, c'est une crème donc hydratante à la pastèque. Appliquer la crème sur une peau sèche et propre convient pour une utilisation quotidienne et pour tout type de peau. Voilà, donc je vais vous l'ouvrir. Ah bah c'est en pompe, voilà. C'est un petit contenant comme ceci, en pompe. Donc ça j'ai hâte de le tester. Et ça, il y a dedans 40 ml. Voilà, donc si vous voulez le tester, c'est un petit sérum, c'est pas mal. Ensuite, donc pour 69 centimes, j'avais une carte d'anniversaire. Donc bah là, je ne peux pas vous la montrer. Ensuite, j'ai acheté pour 93 centimes un diffuseur comme ceci. Voilà, donc c'est à la rose cette fois-ci. La dernière fois, j'avais pris citrus. Et donc ça, c'est pas mal. Franchement, ça enrobe bien la pièce. C'est très très bien. Ensuite, j'ai pris une boisson à l'aloe vera. Les petites bouteilles vertes là, à 89 centimes. Donc elle a été bu. Ensuite j'ai pris ça doit être ça je pense. Non c'est pas ça donc ah c'est ça. J'ai pris ça aussi. C'était la première fois que je voyais ça. En fait ce sont des senteurs qu'on met sur les à l'intérieur de la poubelle. Voilà. Donc moi il y avait deux parfums. Moi j'ai pris au fruit rouge je pense et apparemment ça tient 30 jours donc je vais en mettre un sur la poubelle de ma fille et un dans la poubelle de la cuisine donc ça coûtait 92 centimes. Ensuite pour 48 centimes j'ai pris donc une boisson énergisante que je n'ai pas bu. Voilà donc 48 centimes ça vaut le coup. Ensuite pour 79 centimes j'ai repris j'ai continué la collection pour ma fille donc cette fois-ci j'ai pris Pico. J'espère qu'elle ne l'a pas, je crois pas. Et le papillon qui s'appelle Pep. Donc voilà, je continue la petite collection. Et donc le bouquin, c'est 79 centimes. Donc c'est que dalle. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, pour 1,39 €, j'ai pris des faux ongles. Donc j'ai pris ceci. Attendez. Ben, je ne sais pas où je les ai mis. Ah, ils sont là. Donc j'ai pris ceux-là. J'ai été sur un autre action que par rapport à d'habitude et franchement top. Donc j'ai pris cela parce que j'ai pu trouver d'autres. J'ai pris aussi pour tester pour mon petit loulou de 5 ans qui pour qu'il apprenne à s'essuyer parce qu'il a quand même 5 ans. J'ai pris donc des petites lingettes comme ça. Alors les lingettes parce que je me suis trompée de. Les lingettes. Ah, ils ne me les ont pas comptées. Bon, c'était moins d'un euro. Hein. Je vous le donnerai le prix après. Donc, c'est sensitive. Et bon, bien sûr, je mettrai ça dans un petit sac. Parce que moi, je ne vais pas mettre ça à la poubelle, dans les WC, les lingettes. Hein. Ensuite, pour 2,49 €, j'ai pris une balayette comme ça, une brosse à toilette avec le support en inox. Donc, je l'ai trouvé sympa. Voilà, je voulais changer la mienne. Donc, c'est pas cher, hein, 2,49 €. J'ai pris de la marque Dumil du film alimentaire, comme ceci. Donc ça, c'est 50 mètres. J'en avais presque plus. Ensuite, j'ai pris des barres protéinées. Donc ça, c'est pareil. Je ne les ai jamais vues, celles-là. Donc si vous les avez testées, n'hésitez pas à m'en parler.
Donc ça coûtait 1,69. Ah bon, c'était pas en promo? Ok. Il me semblait que c'était en promo, mais bon. Donc de voilà, je vais tester. Donc là, j'ai pris au caramel. Il y avait d'autres parfums, la fraise, tout ça. Pour 1,69€, j'ai pris ces ongles-là. Un peu, c'est holographique, ceux-là. Donc très joli. Pour 1,99€, j'ai pris une nouvelle bague. J'ai pris celle-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc hop, je me suis fait plaisir. Ensuite, j'ai pris un mélange de graines, pareil, pour mettre dans les salades. C'était en promo. 99 centimes. Donc dedans, vous avez un mélange de graines, ils disent. Il y a courge, il y a plein de... Et ça, c'est très bien pour mettre dans une petite salade. Donc le papier humidifié, comme je vous ai dit, c'est 99 centimes, ceci. Donc dedans, il y en a 60. Hein. Ensuite, pour 1,69€, j'ai repris le conditionneur comme ça, parce que j'en avais presque plus. J'avais acheté le shampoing, mais j'en avais racheté. Et cette fois-ci, j'ai repris le conditionneur pour 1,69€. C'était la promotion de la semaine. Et puis c'est tout. Voilà pour mon haul action. J'espère que ça vous a plu. Merci encore de liker, partager et mettre des pouces bleus. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, on se rejoint dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé. Ah oui, et j'ai oublié de. Si, il y a un truc que j'ai pas dit. J'ai acheté ceci à 94 centimes. Donc ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Parce que c'est en fait, ils disent que c'est des magnettes. Donc je pense qu'il faut juste... Alors attendez, hein. On va découvrir ça. Comme ça, c'est 94 centimes, donc ça se présente comme ceci. Dedans, vous avez trois magnettes, quatre magnettes. Voilà. Et vous les décorez à votre façon. Donc ça se présente comme un petit tableau. Vous pouvez peindre en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Donc ça coûte 94 centimes et il n'y a pas de motif plus. C'est toujours les mêmes motifs. Hein. Il n'y a pas de choix en fait. Voilà. Et si vous voulez me poser la question pour mes ongles, je vais vous les montrer. Les ongles que je porte, c'est donc des faux ongles et c'est ceux que j'avais achetés sur Shein. Voilà. Et ça va faire une semaine que je les ai. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez, mettez des pouces bleus et je vous fais tout plein de gros bisous. Merci encore de me suivre et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye!